une petite citation. Deux points, ouvrez les guillemets. Il était essentiel de prendre une mesure qui s'inscrit dans le temps afin de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens à l'heure où les dépenses énergétiques représentent une lourde charge dans le budget des familles. Fin de citation. Savez-vous, monsieur Thierry, de qui est cette citation? Charles Michel, à l'époque président du MR, aujourd'hui Premier ministre. Alors, s'il vous plaît, un peu de cohérence. Pour le reste, est-ce que vous vous rendez compte? Parce que tout à l'heure, j'ai été un peu gentil avec vous, j'ai dit plus de 2 milliards. En réalité, c'est 2 milliards 800 millions d'augmentation des impôts sur la consommation en un peu moins de 2 ans. Dans la poche des ménages. Poche des ménages dans laquelle vous avez été déjà chercher 2 milliards et demi avec le saut d'index. Soit plus de 5 milliards d'euros à charge de nos concitoyens. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle situation vous placez les habitants de ce pays, habitants qui n'en peuvent plus et qui vous demandent une fiscalité plus juste? Alors arrêtez de nous dire que vous êtes un gouvernement social, c'est tout le contraire. Et en même temps, et c'est bien là évidemment ce qui aggrave votre cas, vous faites des cadeaux au secteur du diamant que vous confirmez dans votre ajustement budgétaire.